Bonjour les TPS, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. On va apprendre la météo. Tu te souviens quand on a lu Elmer, la météo d'Elmer, le petit éléphant? Oui? Ok, alors tu sais que tous les jours, on regarde par la fenêtre de la classe et on regarde quel temps il fait. Certaines fois, il y a du soleil, et là, c'est l'araignée Gypsy qui est contente. Certaines fois, il y a de la pluie, et là, c'est qui est content quand il pleut? C'est l'escargot, tu as raison. Alors, regardons ensemble. J'ai plusieurs images pour toi. Tu vas m'aider. Qu'est-ce que c'est? Le soleil. Alors, le soleil, c'est ce qu'on a en ce moment. Presque tous les jours, on a de la chance. Il fait beau, il fait chaud. Quand il y a du soleil, tu peux aller dehors. Tu mets un t-shirt. C'est génial, le soleil. Alors, je le mets ici. Le soleil. Qu'est-ce que c'est? La pluie. La pluie. Tu sais, quand il pleut sur l'araignée Gypsy, elle n'est pas contente. Mais l'escargot aime bien la pluie, lui. La pluie. Je la mets ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le vent. Certains jours, ici, on a beaucoup de vent. Il faut bien faire attention à ce que ton chapeau ne s'envole pas quand il y a du vent. Le vent. Le vent fait bouger les arbres. Tu as vu? Ok. Qu'est-ce que c'est? Les nuages. Ça, c'est les nuages. The clouds. Le soleil, quand il est caché par les nuages, il fait un petit peu plus froid. Il faut que tu mettes un gilet ou un manteau. Les nuages, je les mets là. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'orage. C'est quand il y a beaucoup de nuages et que les éclairs tombent du ciel comme ça. Attention, quand il y a de l'orage, il faut bien rester à la maison, hein. L'orage. Et le dernier, regarde, je suis sûre que tu le connais celui-là. Comment il s'appelle? L'arc-en-ciel, comme ce que tu as fait la semaine dernière avec la peinture. L'arc-en-ciel de toutes les couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé. Je le mets ici, l'arc-en-ciel. Ok, et maintenant tu vas voir, on va faire un petit jeu. Je vais te présenter quelqu'un. C'est qui? Tu reconnais? C'est Choupi. Bonjour Choupi. Comment ça va Choupi? Ça a l'air d'aller, hein? Alors, on le met ici Choupi. Est-ce que tu le vois bien? Tu le vois bien Choupi là? Ok. Tu as vu Choupi pour l'instant, il n'a mis que son slip. Ah, ben comment ça se fait? Il n'a pas ses habits. On va l'aider à s'habiller. Regarde. Je mets plusieurs habits ici. Ça, c'est les habits de Choupi. Hop. Il y a aussi ça. Choupi, certains jours, il s'habille comme ça. Choupi. Certaines fois, il va s'habiller comme ça. Il y a aussi ça, la salopette. Et le t-shirt et le short. Je mets ça ici. Ok. Alors, on va jouer à un petit jeu. Choupi va s'habiller différemment en fonction de la météo, comme toi. Quand le matin, tu sors et qu'il y a du soleil, qu'est-ce que tu mets? Un t-shirt ou une robe pour les filles, un short, une jupe. Parce qu'il fait chaud quand il y a du soleil. Alors essayons. Le soleil, tu le vois le soleil, tu te souviens? Le soleil, le soleil. Regarde Choupi, le soleil brille. Comment tu vas t'habiller aujourd'hui? Est-ce que tu peux montrer les habits de Choupi quand il y a du soleil? Est-ce que Choupi va mettre ça quand il y a du soleil? Non, il va avoir trop chaud avec le bonnet et son écharpe. Qu'est-ce qu'il peut mettre, Choupi, quand il fait chaud? On va choisir ça. Et regarde. Oh, on peut habiller Choupi.
Quand il y a du soleil, Choupi met un t-shirt et un short, comme toi. Comme ça, il n'a pas trop chaud. Super Choupi. On rejoue ? Essayons encore. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on va choisir ? Et s'il pleuvait ? Oh, attention Choupi ! Il pleut ? Qu'est-ce que tu vas mettre comme habit Choupi quand il pleut ? Attention, protège-toi bien ! Est-ce que Choupi va mettre son t-shirt ? Non, il va être tout mouillé. Il faut qu'il se protège. Choupi va mettre son ciré. Regarde, on va habiller Choupi. Choupi va mettre son ciré. Et voilà, Choupi est prêt pour sortir sous la pluie. Il a son ciré, ses bottes pour sauter dans les flaques d'eau et son chapeau pour se protéger la tête de la pluie. Super! Bravo Choupi! On recommence? Ah, je le mets ici pour que tu le vois bien. On recommence. Cette fois-ci, on va mettre les nuages. Choupi, il y a un peu de soleil, mais il y a surtout des nuages. Il fait un petit peu plus froid. Comment Choupi va s'habiller? Le matin, s'il y a des nuages, il ne peut pas mettre son t-shirt, il va avoir trop froid. Il va mettre un gilet et un pantalon. Bravo Choupi! Quand il y a des nuages, tu dois mettre un gilet, un pantalon et des chaussures fermées pour avoir bien chaud. Allez, on rejouera à ce jeu plus tard. Tous les jours, si tu veux, toi, tu peux regarder par la fenêtre de ta chambre le matin quand tu te lèves et tu regardes s'il y a du soleil. Comment tu t'habilles s'il y a du soleil? Tu peux mettre un t-shirt. Attention, s'il pleut et que tu vas dehors, n'oublie pas de mettre un chapeau et des bottes pour sauter dans la pluie. À bientôt !